Salut je tout, nous avons plaisir pour partager nos recettes ritandoori poulet en collaboration avec Zepis Kouraïcha. Pour 6 personnes, nous pour servir 750 g blanc poulet coupé en cubes, 3 copes du riz basmati environ 550 g, 500 g pommes de terre, un gros cuillère à pâte l'ail et gingembre, un pot yaourt 125 g, cotomili et la menthe hachée, 3 piments verts, Zepis tandoori kouraïcha, Zepis garam masala kouraïcha, couleur jaune kouraïcha, elaïti kouraïcha, cannelle kouraïcha, zoyons frire, mantique, du sel et de l'huile. Pour commencer, ajoute un gros cuillère à pâte l'ail et gingembre de poulet. Ajoute un et demi petit cuillère de sel, une boîte ou 20 g d'épices tandoori kouraïcha, un gros cuillère d'épices garam masala kouraïcha, 125 g yaourt. Mélange tout bien et laisse-les mariner dans le frigidaire pour 2 à 4 temps. 30 minutes avant cuisson, lave du riz 3 fois et laisse-les tremper. Coupe pommes de terre en cubes, mélange-les avec un petit cuillère de sel et un petit pincé couleur jaune kouraïcha. Frire-les dans de l'huile chaude, l'eau du feu moyen pour environ 8 minutes. Dans mon mit qui peut cuire du riz tandoori, chauffe 5 gros cuillères de l'huile et 1 gros cuillère menthe avec l'eau du feu moyen. Ajoute poulet, laisse-les frire pour 5 minutes, ensuite teint du feu. Quand fini teint du feu, ajoute 1,5 cup d'eau, piment vert, cotomili et la menthe hachée. Goûte ça du sel et ajoute encore si nécessaire. Mélange tout bien. Et là, bouille 3 litres d'eau le gros du feu. Quand l'eau commence à bouillir, ajoute 3 petites cuillères de sel, un bâton cannelle et 5 elaïti. Dégoutte de l'eau et ajoute du riz. Après environ 7 minutes qui du riz peut bouillir, retire une première partie du riz et mette une première laise le poulet. Et maintenant, ajoute pommes de terre qui t'y frire. 3 minutes après, retire une deuxième laise du riz et ajoute un petit peu d'oignon frire. Après encore 3 minutes, retire tout du riz et mets-le dans mon mit là. Ajoute un gros cuillère menthe, zoyons frire et cotomili haché. Couvre mon mit et laisse-le cuire le gros du feu pour 5 minutes, ensuite le du feu moyen pour 10 à 15 minutes. Oh mon dieu, mais manque ça tes affaires. Qui fait où tape la langue là? Qui fait où baver? Ça tes affaires là? Il y a appel Kouraïcha. Kouraïcha, c'est plus qui s'envahit tes épices comme un joli tissassé pour un petit prix. En plus, en Kouraïcha, pina gaspillage, pina aucun des autres dans la cuisine. En place, ou manger révine. Tamam! Kouraïcha, le goût authentique de l'Inde. Voilà! Nous recettes briani facile en créole mauricien. Merci, à la prochaine.